démonstration de Bob Sky sous l'odieuse et une démonstration qui vient de nous. Allez, poussons de chez nous. Tout le monde est comme de la bouche de Montargis, alors. Nous, pour nous, la journée est très intéressante parce que c'est là qu'on va recruter au maximum de jeunes. Ouais. Donc que ce soit au niveau du baby box, comme on voit les petits sur le ring, ou au niveau des adultes. Donc voilà, pour nous, c'est une grosse journée dans le recrutement. Ah, c'est fait pour ça. Voilà, c'est fait pour ça. Et faire découvrir la boxe, bah, aux jeunes, plutôt aux jeunes ou aux adultes. Hein. D'accord. Bon, on vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je suis appuyé en handball, présenté en handball et le but c'est qu'il y en ait qui viennent s'inscrire si ça leur plaît. Il faut sensibiliser les jeunes. Ah, au monde, oui, tout à fait. Mais moi, moi, merci, moi. Toujours maintenant du côté du baby foot humain. Et tu tires. Et tu vas dans les cerceaux, tu gagnes des points. Ça existe. Tu récupères ta balle. Et si tu fais un slalom en pied, allez, on s'en prend. Alors pour nous, la journée du sport, ben, c'est pour montrer aux plus jeunes, à partir de 5 ans jusqu'à, on va dire, 99 ans, on va dire jusqu'à une trentaine d'années, de découvrir ce que c'est que la balle ovale. Donc on a présenté sur le sang aujourd'hui le tir au but. Donc c'est les transformations, le ballon est posé à terre et il faut le passer entre les poteaux. Voilà. Et puisque les enfants ils aiment bien, c'est le sac à plaquage, donc ça mérite d'être filmé, et auquel les enfants doivent attraper le sac et le faire tomber par terre. Les enfants des immigrés, alors bon, souvent le sac est plus gros que les enfants, mais c'est un plaisir pour eux, mais surtout ils se font pas mal. Prenez la raquette. Voilà. Merci, bon courage. Félicitations déjà les enfants, vous en avez tous les jours, notamment au niveau du centre aéré. C'est ça, à Charles-la-Pointe au sport. Armée française, allez vous en. Allez vous en de chez nous. Alors toujours votre sourd. Donc, la journée du sport, donc, ça nous permet à la fois de nous faire connaître auprès du public. Donc les gens ne savent pas forcément qu'il y a un club de volley sur Montargis. Et puis d'essayer de recruter, de trouver des joueurs pour compléter un peu les équipes. Donc voilà, déjà pour faire découvrir l'activité, parce qu'il y en a, ils ne savent pas du tout ce que c'est que le volley. Ils en ont... Donc voilà, et donc nous, LUSM Montargis, donc on a une section alors, filles et garçons. Alors, de ski Montargis, bien c'est dans le de tout âge, junior, senior, championnat départemental. En face, la passerelle. Et puis, on peut ça reste des temps, et puis également, ça reste des temps, et bien des temps. D'avoir un petit aperçu de ce que le sport et le basket en particulier représentent. On donne des renseignements sur les horaires d'entraînement, le tarif des licences, un petit peu comment ça se passe. Et puis il y a une prise de contact avec les parents et puis avec les jeunes qui viennent. C'est une bonne idée. Et c'est une journée qui est très réussie. En plus, on a le seul. Alors, cette journée, elle est faite pour donner l'occasion aux gens de rencontrer un petit peu tous les sports possibles à pratiquer dans la région, enfin surtout dans le Tarbois, et puis aussi de permettre aux sportifs de se connaître, parce que des fois quand on fait partie d'une section, on ne connaît pas forcément ceux des autres sections, donc ça permet de se retrouver comme ça en un même lieu, et puis de faire quelque chose de convivial et de savoir quoi. Et puis de recruter évidemment, il y a des gens qui arrivent dans le Tarbois qui ne connaissent pas forcément, donc ça leur permet de prendre contact avec des dirigeants de certaines sections et puis de s'inscrire pour faire un sport ou un autre. Quoi. Voilà. On propose des balades, notamment la montagne.
Oui, alors effectivement, donc la fête du sport organisée par la ville de Montargis depuis plusieurs années maintenant, c'est incontournable pour la section foot. Alors démonstration de tennis, et renseignements sur le côté également, quand même juste à l'extérieur du jardin, juste devant la sous-préfecture, à côté du mur d'escalade, entre l'escalade et un plus pour nous dans le sens où ça le touring, actuellement en démonstration. De par les personnes qui se déplacent et qui viennent, ça leur permet de se renseigner, d'avoir avec notre charmante petite femme qui est là. Et puis, ce qui n'est pas négligeable pour la section non plus, c'est que. Avec le sourire. Alors la fête du sport consiste tout simplement à proposer aux associations de venir faire la promotion de leurs activités donc sur une journée, donc aujourd'hui sur la place du Paty. L'idée c'est de proposer aux gens qui se déplacent de découvrir leur activité, de pratiquer l'activité, de se renseigner sur l'activité. Et puis cette année particulièrement on a mis en place des Olympiades et les Olympiades c'est proposer aux jeunes de pratiquer les différentes activités pour quelques vocations. Ça permet aux nouveaux qui viennent s'installer à Montargis de découvrir le sport de Montargis. Ça permet effectivement aux nouveaux Montargois de découvrir le tissu associatif Montargois. Et donc, c'est leur donner l'occasion de découvrir en une seule journée tout ce qui peut se pratiquer comme sport sur Montargis. D'accord, bon, bon merci, c'est gentil, merci. Stream déjà. Donc ça par exemple c'est un sabre, avec le sabre on va toucher avec toute la surface de la lame et on va toucher sur tout ce qu'il y a au-dessus de la ceinture de l'adversaire. Les enfants on les habille avec des vestes et donc on touche sur tout ce qu'il y a en haut, le masque qui les protège, les bras et le corps. Il y a le fleuret, on va toucher que le tronc et on touchera juste avec la pointe de l'arme. Et à l'épée c'est pareil, on touche qu'avec la pointe, mais on a le droit de toucher sur tout le corps. Après il y a certaines règles selon les armes qui sont différentes, mais en gros le but du jeu va être de toucher l'adversaire sans se faire toucher. La journée du sport c'est la découverte en fait sur tous les stands de chaque sport. Donc à côté là on a l'escrime, un petit stand d'escrime. Les gens peuvent voir la technique, comment ça se passe, comment ça fonctionne. Et avoir des renseignements sur les licences, les entraînements, les clubs et tout. Ça permet de recruter quoi. Exactement. Ouais, comme c'est, en plus c'est la bonne période, c'est la rentrée, donc les gens ils arrivent, les enfants ils veulent faire du sport et tout ça. Et c'est là qu'il faut prendre tout le monde en charge. Ils ont de la chance de vous trouver dans un stand alors. De la chance, je sais pas si c'est une chance. Ah non, quand même, d'accord. Mais bon, non, mais comme j'étais là, voilà, moi ça m'intéresse, puisque j'ai commencé, je faisais du sport, mais comme ça quoi. Je sais pas un jour avoir le record de France ou des trucs comme ça. Voilà. C'est gentil, bah félicitations. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais, j'espère. Et vous aussi, hein, si vous repérez, pas ramener. Ah fou. Mais c'est le foot hein. Allez-vous-en de chez nous.